Câlin et caresse. Mange dans le pré de Chicouté. Ils ont 7 mois. Ce sont des bébés encore. Des bébés poneys. Et voilà Câlin, de près. Elle broute, caresse, broute l'herbe. Elle est très paisible. On a ajouté quelques aliments pour le moment, qu'on a mis dans une bassine. Compléter leur alimentation. Oh, mais renifle le câlin là. S'approche tout près, il me renifle. Ah. Il veut sentir à tout prix de se rapprocher de moi. Manger tout près. Voilà, sous mes jambes. Un coquin là. De venir mettre sa tête tout contre la caméra. Ouh, il va être vu de tout près. Ah ben là, hein, on a une vision juste de près. Si je me suis levée quand même. Je préfère. Parce que là, c'était vraiment... Ah, il n'est pas bien grand, mais... Ah oui, elle peut pas aller où elle veut, caresse. On l'habitue à être attachée pour pouvoir en faire ce qu'on veut après. C'est la première fois qu'ils sont attachés à la maison. Alors évidemment. Alors si je les décris, ils font à peu près 1 mètre de hauteur. Ils ont 4 pattes, une queue, des poils, noir et blanc pour câlin, marron, blanc et un peu gris pour caresse. Ils ont un licol pour pouvoir les attacher.
Voilà, là, câlin se gratte. Au bout de leurs petites pattes, il y a des petits sabots. Comme les chevaux. Voilà, derrière leurs oreilles, il y a une crinière, cette masse de poils qu'ils ont sur le cou, et devant, sur la tête, un toupet. Alors la crinière et le toupet de câlin, derrière sa crinière. Ouais, il est très intéressé, câlin. Il peut venir me voir de très très près. Là, voilà sa crinière. On voit ses petits sabots au bout des pattes. Oui. Voilà, on voit ses petits sabots au bout de ses pattes. Il va à tout prix avec son petit nez, son petit naseau. Regardez. Le petit naseau. Attends, j'arrive pas à le voir. Là, le petit naseau de câlin. Il renifle. Mais elle a tiré sur la corde. Voilà, on voit le toupet de caresse et sa crinière. Elle se gratte encore. Voilà, là il y a Pia. Un double poney. On voit la grandeur de la tête. Elle adore le pain, elle aussi. C'est une gâterie. Elle est blanche. Quand elle était plus jeune, elle était tachetée de noir aussi. Elle est deux fois plus grande à peu près que... Ah, voilà, elle aussi. Elle vient de tout près. Voilà, oui. On renifle, hein. Là, c'est Naso. De très près, là. Son licol, sa crinière. Son toupet, entre les deux oreilles. Voilà. Pia. Elle ne nie pas non plus. Elle est très curieuse. Dès qu'elle entend un bruit, elle remue ses oreilles. Elle est affût de tout ce qui se passe. Oui, dis bonjour, voilà. Fait un nez à nez. Très bien. Allez, les petits sont au dodo. Et Pia aussi. Au revoir, Pia.